Yes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Antoine, donc Antoine qui est skieur international et qui vient de terminer le programme High Performer Academy. Donc aujourd'hui, il va nous donner un peu les clés du programme et ce qu'il a appris grâce à ça et comment il s'est transformé. Salut Antoine. Salut. Antoine, toi, avant de commencer, qu'est-ce qui t'a fait venir dans le programme? Ça a été l'été dernier quand j'étais au Chili en ski. J'étais sur un stage de ski d'un mois et je sortais de beaucoup de chutes, beaucoup de doutes et beaucoup de frustrations. Et je venais de me faire mal la veille. Je m'étais déboîté la mâchoire. Du coup, je traînais un peu pendant mon jour de repos sur Facebook. Et là, je suis tombé sur une interview d'un des membres de l'High Performer Academy. Dans ce qu'il disait, je me suis reconnu dedans un peu et ça m'a donné envie d'aller voir. Du coup, je suis allé voir sur ta page Ok. et j'ai vu que tu donnais une web conférence de 45 minutes gratuite. Moi, je me suis dit, bon, j'ai rien à faire de la journée, pourquoi pas. J'ai regardé ça m'a vachement parlé. Je me suis revu en fait dans tes expériences de sportif. Eh bien, je me suis reconnu dedans et je me suis dit que bah, c'était peut-être pour moi et qu'il fallait essayer. Ok. Et voilà, avant d'arriver dans ce programme, tu avais déjà fait de la préparation mentale? Ouais, j'avais fait un an dans un cabinet de sophrologie. Ok, et du coup, là, qu'est-ce qui t'a fait tenter l'aventure avec moi, tout simplement, plutôt que de continuer dans... Bah, c'est que en fait, je sentais que j'avais des blocages, mais que la relaxation, l'imagerie mentale, ça marchait bien pendant un temps et puis à un moment ça s'est retrouvé super limité je sentais qu'il y avait un truc plus profond qui bloquait et je me suis dit que bah, c'était sûrement la solution et je me suis dit bon allez, on va essayer parce que tu parlais de beaucoup de principes de dépolarisation, de principes d'identité, transformer l'identité et je me suis dit c'est quelque chose de différent et le changement ça peut peut-être être bénéfique. Ok, et du coup, bah, tu as fait le programme qui a duré 3 bons mois. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé durant ce programme? Une Comment grosse tu es transformation interne. maintenant? Comment? Une grosse transformation interne. Ok, grosse transformation interne. Ouais, sur l'identité. Ça permet de te rendre compte en fait que ben, tu as le choix dans ce que tu veux être, dans ce que tu veux garder de bien pour toi. Tu arrives à voir la vie d'une autre manière. Tu peux la voir du coup sous toutes ses formes, et voir que de chaque situation que tu juges ben, mauvaise, ben, finalement, tu peux tirer vachement de bénéfices. Et inversement, d'une situation que tu juges super bien, ben en fait, bah, finalement, il y a plein d'inconvénients. Et du coup, tu as le choix et ça permet d'élargir ton champ de vision vis-à-vis de tout ça. Ok. Et est-ce que tu pensais qu'en aussi peu de temps, en 3 mois, on pouvait autant se transformer ou... Non, mais même, ça a été plus rapide que 3 mois. Hein. Ça, non, ça va très vite. Si on le fait à fond, ça va très vite. Ok. Et d'ailleurs, la dépolarisation, t'en as pensé. Enfin, comment tu l'as vécu par rapport à. Est-ce que par rapport à la sophrologie que tu as fait jusqu'ici, est-ce que c'est la même chose? Quand on a fait la première séance de dépolarisation, ben, il y a vraiment une grosse charge émotionnelle qui s'est écroulée. Le lendemain, en muscu par exemple, Ouais, je me ben, j'avais rappelle. tous mes max qui avaient augmenté de presque 20 kilos, quoi. Je me rappelle bien, ouais, c'est clair. Truc improbable. Ok, et en sophrologie, tu n'avais jamais eu ces résultats-là. Non, jamais de résultats comme ça. Ok, et là maintenant, du coup, tu te sens comment au quotidien après avoir fait ce programme? Je me sens bah, beaucoup plus léger j'ai l'impression que, on en parlait la dernière fois, que l'entourage il change aussi, il n'y a pas que moi qui change. Voilà. L'entourage il change du coup ça fait du bien. Ouais, c'est-à-dire qu'on va bosser, on bosse sur soi et pour autant, nous, ça va de mieux en mieux dans notre vie et aussi bizarrement, on a l'impression que l'entourage. Ouais, l'entourage change aussi. Comme toi tu changes, il change avec toi en fait. Il s'adapte à qui tu deviens. Ok, et ça en 1 an de prépa mentale avant, est-ce que tu avais eu ce résultat ou. Avant, ce que je faisais, on basait seulement sur de l'imagerie mentale. Donc, on faisait pas mal d'imagerie sur. Je m'imaginais sur les skis et pour retourner plus facilement sur les skis l'été, pour moins perdre de mon niveau. Et on faisait beaucoup de relaxation pour.
se un peu souffler, un peu se relâcher au départ. Mais on ne faisait pas du travail interne. On ne basait pas sur l'identité. Ok, et selon toi, du coup, ce travail sur l'identité, quelle est la différence ou le point fort ou... Bah, c'est que c'est beaucoup plus puissant et les résultats ils sont beaucoup plus rapides. Et tu libères vraiment des gros blocages que bah, peut-être sans ça, tu pourrais pas débloquer. Ouais, et là, justement, sur la confiance en toi, vous savez, ces blocages, c'est fini, c'est loin derrière toi pour les années qui arrivent, pour toute ta vie, finalement. T'es comment sur Bah, cette... ces blocages, en fait, plutôt que d'essayer de les laisser derrière moi, en fait, je les ai fait sauter et je m'en suis servi comme quelque chose qui pouvait me rendre plus fort. Du coup, je les garde en moi, parce que ça fait partie de moi. Et du coup, j'ai tiré les bénéfices de en quoi ça pouvait me rendre plus fort, qu'est-ce que ça me permettait de devenir, et en quoi ben, ça pouvait me permettre d'être la personne que j'avais envie d'être. Ok, cool. Et enfin, ouais, je voulais te demander, je crois que j'avais une autre question, mais j'ai dû l'oublier entre-temps. C'était, si, oui, est-ce que tu recommanderais ce programme et si oui, pourquoi? Oui, je recommanderais ce programme parce que bah, tout d'abord, l'accompagnement, il est super complet. Toi, tu es tout le temps disponible pour nous, qu'importe le problème qu'on a. Enfin, moi, pour ma part, tu as toujours été là. Et ensuite, je pense que c'est une manière différente de voir les choses. Et au-delà du sport, ça peut t'aider dans ta vie de tous les jours, dans ta vie professionnelle, dans ta vie de couple, dans ta vie amicale, et c'est super complet et c'est vraiment bénéfique pour tout, je pense. Ok, et justement, les points forts de ce programme pour toi, quels ont été les points forts de ce programme? Les coachings de groupe, Ok. parce que on partage vachement d'expérience, et du coup, même des fois quand tu es au coaching du groupe, tu assistes au coaching, bah, moi des fois je venais juste pour écouter la séance, j'avais pas de problème, et le fait d'écouter les autres, bah, du coup, par exemple, quand on faisait des préparations en groupe, ben, il y en a, ils voient d'autres bénéfices et toi, tu dis, ah ouais, j'avais pas vu ça. Et du coup, tu le gardes pour toi. D'autres qui parlent d'expérience, par exemple, qui avaient des blocages, comment ils les ont fait sauter, tu dis, ah ouais, c'est pas mal, je peux garder ça, c'est à l'avenir si j'ai un blocage pour le faire sauter. Et du coup, je trouve, ouais, les coachings de groupe, il y a une bonne énergie et il y a des choses à tirer de tout le monde. Ok, et du coup, c'est que tu reparles des coachings de groupe et des dépolarisations parce que bah maintenant, voilà, la dépolarisation, finalement, est-ce que tu penses que maintenant tu dois être dépendant de moi ou est-ce que tu penses que tu peux les faire tout seul toute ta vie? Ah non, maintenant je le fais tout seul, tout le temps, quand j'en ai besoin, quand j'en ai envie. Voilà, donc là, tu repars avec un outil et une façon de voir les choses aussi, je pense. Ouais, puis il y a les cours PDF aussi, avec des explications de comment bien les faire et tout ça aussi. Exactement, oui, ça, exact. Ok, super top, bah, Antoine, cool. Si des gens regardent, si des personnes regardent cet entretien et cette interview et veulent te suivre quelque part, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Je mettrai les liens en dessous de l'interview. Alors, j'ai une page sur Facebook qui s'appelle Antoine Solaire. C'est mon compte de ski. Ok. J'ai une page. Et j'ai un compte sur Instagram qui s'appelle Antoine Solaire Ski aussi. Cool, bah écoute, je mettrai les liens sous la vidéo. En tout cas, merci Antoine pour ce partage. C'était vraiment top de t'accompagner. Merci Pierre. Ok, allez, ciao, salut, bonne Ciao. journée.